Nous allons parler avec le ministre Jobert Séengrand, c'est ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Il était fait une visite au week-end ça pour la regarder. Il a tout comment ça y est pour construction barrage là, puisque on voulait qui concerne les ministères liens. On a suivi avec Richardson Jourdain, PM Jean-Baptiste, qui s'est ministre a dit, dans le moment, tu as visité travail construction, barrage Marion, dans le département nord-est. À Marion, dans le cadre de suivi activité et système d'irrigation que le gouvernement Moïse hein, a travaillé sur lui pour capable mettre de l'eau à disposition pour capable augmenter la production. Yo, et le système sera capable de permettre non seulement de gagner de l'eau pour la production agricole, mais capable de gagner de l'eau pour boire et tout capable de gagner virer turbine pour gagner l'électricité. Donc, dans le cadre de travail, ça faut nous obliger à faire un suivi serré pour nous capable non seulement permettre que l'activité soit faite dans le temps et pour nous capable respecter le délai que nous avons mis pour nous capable finir le système ça parce que nous connaissons c'est près de 12 systèmes que nous allons faire. Donc, il faut avancer avec ça et nous sommes capables d'avoir un bon ingénieur, jeune ingénieur qui vient là pour capable apprendre, non seulement pour, avec l'ingénieur cubain, et arriver et ben, on travaille de qualité. Donc, je dis, normalement, nous sommes supposés à couler et béton sous prise principale là. Mais c'est le travail que le laboratoire national a fait sous béton, qualité béton. Hein. C'est lui-même qui va nous tirer tard. Qui fait nous pas démarrer le travail là, que nous prévoit d'ici mercredi, nous allons démarrer avec bétonnage là pour prise principale là, nous capables de bétonner et passer dans notre phase qui va permettre de nous consolider digue et qui va permettre de nous avancer. Ce n'est pas le premier voyage que vous faites ici, là, mais qui constat vous faites pour nous venir aujourd'hui? Bon, le constat, c'est que nous dit tout chantier en branle, parce que nous dit pas de problème au point de vue matériel, parce que tout matériel qui a un petit problème, nous réparons. Et toute facilité qui peut gagner pour que nous soyons capables de fonctionner et capables de travailler dans de bonnes conditions, donc nous permettre que nous gagnions. Donc, tant que l'ingénieur te dit, son travail qui est presque dans 40% de activité qui vous fait là-dedans. Donc, il y a une très bonne avancée et nous-mêmes, nous apprécions ça et nous apprécions l'engouement qui gagne parce que tout le monde a même été à disposition mon nord-est de l'eau pour capable permettre qu'il soit capable de faire jardin, puis capable de boire et capable de gagner l'électricité. Donc, c'est un engouement, que ce soit au niveau ingénieur, mais au niveau population, qui a tant de résultats ça, parce que il y a longtemps, et zone, son zone, on dit malgré de l'eau à faire ravage, mais son zone qui, nous capable de dire, son zone sécheresse à caler mon nom, tandis que de l'eau qui a gaspillé. Donc, le président Vision parle, c'est mettre de l'eau à disposition de Mounio. Et Mounio, il y a quoi dans le travail là et il y a tant de travail là. Donc, ça fait nous-mêmes, au niveau gouvernement Moïse, hein, donc nous avons intérêt pour nous capables de faire suivi. Hein, pour nous parler de travail là, tant que il n'y a pas de suivi qu'a fait. Donc, suivi à la régulier et là, nous faire suivi, pas seulement pour nous venir garder, mais pour permettre que si il y a un petit problème, nous tout résoudre pour que le chantier ça lui-même ne pas camper. Vous parlez de 40% du travail que tu as fait, mais qui ça a fait déjà, qui ça a arrêté? Bon, nous sommes capables de faire 10 digues. On nous dit, sous 4 digues, il y a 2 qui fait déjà. Donc, il y a 2 digues qui sont faites, mais 10 digues qui sont faites, il faut nous faire bétonnage ou tuyau. Donc, depuis le bétonnage, ça a fini fait, on a fait l'autre 2 digues et on a pas le fond de versoir qui va permettre, côté, on nous dit, nous ne pouvons pas le mettre et pour capter de l'eau à faire pour nous capables faire. Donc, il faut nous dévier de l'eau. Donc, après ça, donc, c'est une étape, ça nous va le passer. Donc, bétonnage, nous sommes censés, pour moi, novembre, on a déjà fini le bétonnage sous tuyau principal qui a fait, sous prise principale là. Et je pense donc, le travail a bien avancé jusqu'à présent. Pourquoi c'est la prise respectée de l'EA? Donc, notre travail pour nous respecter parce qu'on connaît toujours, pour qu'on y ait notre travail là, c'est graisse cochon qui a cochon. Donc, pas vraiment comme on nous dit pays étrangers qui l'a actuellement. On a cherché appui, mais appui à beaucoup venir, c'est graisse cochon qui a cochon. Donc, on connaît et pays a pas grand pile comme là-dedans. Donc, nous obligés et moyens que nous gagnons, mettre à disposition et ministère de l'Agriculture pour capable permettre que le travail ça, qui capable permettre nous gagner productivité, nous relancer et nous dit économie pays. Comme on connaît l'agriculture, c'est moteur économie pays. Donc nous obligés, bah, en pile importance à ça pour nous capables d'avancer. Un dernier mot, ministre. Bon, dernier mot, c'est
demander toute population pour capable et croire dans travail là parce que le président décide bailler nous dit population manger et nous-mêmes nous là pour faire travail ça et je pense que dans 3 ans tant que président de promettre lui et que ce soit dans diri que ce soit dans poule que ce soit dans œuf que ce soit dans maïs que ce soit dans sorgho n'a pas arrivé je veux une certaine autonomie pour nous diminuer l'importation qu'a fait dans le pays et nous croyons dans ça et pour ça la travail. Toujours été terrier rouge après précision ministre Jobert Séangrand. Là, nous allons parler avec député circonscription 1, hein, qui lui-même tout pour parler nous du travail qu'a fait sous Marion 1, mais nous allons parler tout de l'autre travail qu'Avana a réalisé dans circonscription Lyon. Il t'a répondu à une question collaborateur nous, Pems Jean-Baptiste et puis Richardson Jourdan. Nous venons Marion là pour venir garder l'état et travaux avancement qu'a fait dans le barrage Marion. Mais avant de dire ça, moi, pour la population qu'on est, je fais un petit coup d'histoire pour la population. Premier barrage là, et pour le pays d'Haïti, il était construit à partir de l'année 1946 pour arriver 1971. Les gens qui connaissent l'histoire, qu'on est dans quelle époque qui président là. Et je dis que c'est le premier barrage qui était fait dans le pays ACP League. Et nous avons un barrage avant Cuba, avant ce domaine. Mais qu'on y a, premier barrage Cuba, il est construit en 1973. Qu'on y a Cuba, il y a plus que 20 barrages qui ont servi. Et République Dominicaine construit par Yoa en 1976. Et qu'on y a, République Dominicaine, il y a plus que une quinzaine qui a fonctionné. Et nous-mêmes, nous toujours gagné celle pélig. Avec vision président Jovenel, nous pouvons venir gagner un deuxième barrage qui a construit en 2018. Ça, il m'a demandé à féliciter, à encourager. Là, regardez la quantité de matériel qu'il a, la quantité de travail qu'il a fait là. Moi-même, moi, c'est une merveille parce que ça, il est vraiment extraordinaire. Et ça, il peut gagner là-dedans deux options. Il y a une partie qui peut servir pour faire électricité et il y a une partie qui peut servir toute terre qui est en bas dans plein nord pour capable arroser pour permettre que moun yo yo fait jardin et c'est pas jardin de subsistance non mais jardin de à grande échelle qui peut servir comme jardin capable et produit à vendre même à l'étranger. Ça veut dire que là moi-même moi encourage tout monde dans pays d'Haïti. Au lieu de nous rester à parler, à critiquer, Vini Marion, qui c'est commune Terrier Rouge, deuxième section Grand Bassin, localité Arélé, Marion. Et c'est là nous aujourd'hui, nous avons gardé tout gros événement. Et moi-même, je me sens que comme parlementaire, je joue un rôle pas. Parce que moi-même, c'est contrôler le pouvoir exécutif. À chaque fois qu'on travaille avec fait qui bon, moi-même, il faut m'encourager. Et ça fait que je profite du micro ça. Et pour me dire, collègues parlementaires, mais on a 50e nan, mettez cob dans le budget ministère de l'Agriculture, puis vous jouez assez de cob pour que vous permettez que l'État haïtien, eh bien, fait barrage ça qui est en construction. Le président a une vision forte de barrage encore dans le département nord-ouest, parce que l'idée c'est construire 10 barrages comme ça qui ont servi tout le pays. En fait, je crois que ça a demandé à encourager. Ça a demandé à féliciter et je crois que ça a permis que nous changer visage pays en s'en allant dans la production. Là, nous avons gardé bien et Marion, il était un projet phare pour le gouvernement. Et moi-même, ce n'est pas la publicité que je fais, non, mais comme pouvoir de contrôle par maintenant, il faut me jouer. L'aile bon, il faut me dire bon, parce que ça, c'est vraiment extraordinaire pour nous-mêmes. Nous avons regardé tout ça qui est là, dans le cadre de barrage, ça qu'a fait là. Est-ce que nous avons dit que le travail a avancé là? Le travail a avancé à grands pas. Parce que le ministre de l'Agriculture avec le technicien spécial et le président et ancien ministre Valbrun, et avec le directeur départemental Nord-Est, là, avec le directeur général du ministère de l'Agriculture, nous étions là ensemble avec Cubéo, nous avons étudié.
Et toute stratégie pour nous mettre avec notre méthodologie pour qu'il permette que le travail aille plus rapide. Parce que le président, il voulait Marion fini pour être capable de prendre l'autre. Et je crois l'autre cap suivre Marion, c'est dans le département de Nord-Ouest. Ça veut dire que là, c'est important, c'est extraordinaire. Il faut que nous-mêmes nous mettions accent sur le barrage Marion. Et nous finissons de tout le monde fait là, nous avons dit le travail, ça, bon, barrage, ça a fait là, il y a des départements, ben, sont bah, importants là. Dépasser important. Pas oublier, le président, il est dans le département Nord-Est. Il voulait doter le département Nord-Est d'un grand projet comme ça. Et son projet, même si c'est un projet de phare, parce que le projet, ça, il peut permettre que nous combattre contre grand goût. Il peut permettre que nous combattons contre la vie chère, contre la misère. Et Zach fait une promesse, campagne président, de dire que faut le bataille et mettre l'argent dans la poche mon yo, et mettre manger dans l'assiette. Je crois que si le projet est fini réalisé, c'est déjà accompli pour le peuple nord-est parce que vous pouvez gagner quantité de l'eau pour être capable de bouger le jardin. D'ailleurs, de l'eau, ça, c'est lui-même qui a inondé la zone folle liberté, la zone malfaite. Eh bien, les barrages ça a fini, de l'eau pas pour le gaspiller encore dans l'an, mais à l'inonde des mounes. Mais c'est au besoin, il faut l'utiliser. Il y a capté là. Il y a capté là pour que les gagnants et inondations, de l'eau réservée là, et les gagnants sécheresse, et de l'eau lui-même li, libérée pour aller user terre, aller user jardin mounes en bas. Merci. C'est un peu que merci. Nous t'ai démarré vivre nous à Soya dans le sud du pays d'Haïti, nous t'ai fonti campé dans l'ouest quoi des bouquets après nous t'allons dans le centre et vous nous regarder comment ça y est pour ville Belader qui paraît pour fêter 70e anniversaire li. Après centre nous t'ai dirigé dans la Tibonite, dans le Raboto, nous t'ai regarder comment ça y est pour Kafoujof avec ingénieur Joseph qui portait toute précision pour nous concernant le travail qu'a réalisé sous tronçon Kafoujof en Safoleur. Nous t'ai allé dans le nord, d'aller dans le nord-est. Voilà, en gros, ensemble, département, nous y faire ce maintenant. C'est dans l'idée pour nous qu'on vous informer sur toute genre de réalisation au poteau dans le cadre de caravane changement. Semaine prochaine, nous tourner avec l'équipe, nous, bien entendu, pral, yon fois encore déployer sous terrain, hein, dans l'idée pour nous qu'on vous connecter à tout ça qui a passé dans le cadre de caravane. Merci en pile, merci à toute l'équipe là. Restez sous TNH. À bientôt.